vient de la mort de mon père lorsque j'avais 13 ans. My father was a wonderful man. He was a Marxist, and he believed that everyone should make a contribution, which is how he brought me up, to feel that I had an obligation to make a contribution to make the world a better place. Mon père était un homme formidable et il m'a élevé avec l'idée que j'avais une mission à accomplir qui était de contribuer à changer le monde pour le mieux. C'était un marxiste. My father was a victim of McCarthyism. Do you all know what that was? It was an earlier version of Trumpism. When all my liberal friends get all upset about Trump, I try to remind them that America went off the rails with McCarthyism for 10 years, after which America got itself back on track, and there was the civil rights movement, the women's movement, Stonewall, all the efforts to bring justice to everyone. And I believe that will happen again in America. Quand les amis de Judy lui parlent de Trump et se désolent, elle leur rappelle qu'il y a eu le macartisme et qui a duré pendant une bonne dizaine d'années et qu'ensuite l'Amérique est revenue sur de bons rails et qu'il y a eu ensuite donc les luttes civiles pour les mouvements des femmes, etc. et toutes ces résistances qui allaient dans le bon sens. Donc c'est temporaire et ça ne va pas durer. But my father was a labor organizer and he lost his job. And he went through a terrible period, and he died when I was 13 years old. Mon père était un syndicaliste et il a beaucoup souffert pendant cette période-là, et donc il est mort alors que je n'avais que 13 ans. This was at a time when there was this publication in the schools that all the children got. It was called the Weekly Reader. À cette époque, il y avait une petite gazette du collège où j'étais, qui s'appelait The Weekly Reader. It was a sort of early graphic novel. C'était un genre de nouvelle graphique, enfin de roman graphique précurseur. And it depicted left-wing people, Marxists and communists, like my father, as horrible monsters. Et cette gazette décrivait donc les communistes, les marxistes, les syndicalistes comme des gens horribles. And I was a child of 13, and I knew that my father was a wonderful man. He trained me in logic, he trained me in values, he played games with me, anti-racist games, to raise me as someone with good values and without prejudice. Et je savais que mon père était quelqu'un de fantastique, qui m'avait éduqué en logique, sur tout ce qui était des valeurs, et qui essayait de m'inculquer de bonnes valeurs. And at 13 years old, I had to make a decision about whether I believed my own experience or what the world said about my father. Et donc à 13 ans, on s'est retrouvé à devoir faire un choix entre croire ce qu'elle pensait elle ou écouter le reste du monde à propos de son père. And what that experience taught me was that even if many, many people believe something, that doesn't make it true.
Et donc, ce que j'ai appris cette expérience, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des tas de gens qui croient quelque chose que c'est vrai. So when I got horrible reviews, I just didn't believe they were true. I did not believe I was a horrible artist. Donc, quand elle a eu des critiques atroces plus tard dans sa carrière, elle s'est dit, bah non, ça ne veut pas dire que je suis une artiste atroce. And that is, in a nutshell, how I managed to survive what a lot of artists would have been defeated by. Et donc c'est grâce à ça qu'elle a réussi à survivre alors que certainement énormément d'artistes auraient jeté l'éponge. And I've had support from individuals, like my wonderful photographer husband, who we've been married for over 30 years. And we have made a partnership, an equal partnership, in which we try to support each other in being who we are, doing what we want to do, and standing up to the world. Et heureusement, j'ai aussi noué des partenariats avec, des relations avec des individus qui m'ont permis de tenir, comme mon mari avec lequel je suis mariée depuis 30 ans, qui est photographe. Et donc nous avons un couple formidable dans lequel nous pouvons être ce que nous sommes vraiment et être plus forts en face du monde. Je vais juste ajouter quelque chose sur cette expérience avec son père que j'ai apprise récemment. C'est qu'au restaurant dimanche, quand Judy est arrivée, elle m'a parlé des groupes politiques. Alors, parce qu'on est à Chicago quand même dans les années 40-50, c'est une ville profondément socialiste avec des mouvements pour acquérir les droits sociaux qui sont très forts depuis le 19e. Et le père de Judy Chicago, vous l'avez bien compris, était autant impliqué dans les questions des droits sociaux pour les ouvriers que pour la lutte contre la discrimination envers les Afro-Américains. Donc c'était vraiment deux combats qui menaient de front. Et Judy, depuis toute petite, était habituée à des réunions politiques sur ces deux sujets et a été invitée par son père à formuler une pensée extrêmement précise et extrêmement élaborée. Et en tant qu'enfant, jeune fille, jeune femme, à prendre la parole dans ces groupes politiques. Et effectivement, c'est quelque chose ensuite qu'elle a complètement retrouvé dans la culture féministe des années 60-70, c'est-à-dire comment la parole circule dans un groupe, hein, le fameux MeToo, et comment on se construit personnellement dans l'écoute d'une personne inscrite dans un groupe, et en même temps comment notre propre parole dans ce groupe résonne à l'égard des autres. Et comment ça construit un climat assez particulier sur la réflexion de soi et du groupe, et comment aussi ça fait grandir ensemble. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à comprendre. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que cet héritage, eh bien, tout naturellement, quand le Black Panthers arrive, et le Black Muslim arrive, avec cette question de se redéfinir, hein, se rebaptiser, eh bien, elle est complètement évidente. Et donc Judy Chicago vient de Chicago, la ville d'où elle vient, et c'est l'idée d'emprunter comme ça un nom à la fois de guerre, de résistance, qui est vraiment calqué sur ce modèle et cet héritage. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment explicité aussi dans le travail de Judy Chicago, et on voit que c'est pas juste un effet performatif à la fin des années 60, début 70, mais c'est vraiment une continuité éthique autant que politique. Et c'est cette fameuse idée, hein, qu'elle dit, qui est très existentialiste aussi, c'est-à-dire que par les actes on se construit, c'est pas les données naturelles qui nous construisent, c'est par les actes et l'interaction avec les autres qu'on se construit. Et c'est vraiment aussi cette idée de contribution au monde. Voilà, ça c'était la chose que je voulais rajouter, en fait, dans l'espèce de vision, on va dire, de Judy, et qui fait que effectivement ça touche un certain nombre de sujets. Mais je crois que Judy serait ravie de vous entendre, et si vous avez des questions à poser à Judy, ben c'est le moment. Voilà. Donc il y a Agathe qui va circuler parmi vous.
et puis son petit micro, je crois. Je te donne mon micro. Est-ce que vous pourriez mettre de la lumière dans la salle? Voilà, merci. Au hasard, étudiant à la Villars-en. Hmm? Beaucoup d'étudiants de la Villars-en, j'imagine. Oui. Ça se français? Vous parlez bien anglais, en tout cas, j'ai l'impression que vous comprenez bien anglais. Alors, je m'appelle Sophie en anglais, je parle en français ou en anglais? Vous parlez en français et puis je traduis. Sophie. Alors, j'ai une question concernant les différentes périodes de votre travail, puisque cette exposition se concentre sur la première décennie. Et le livre aussi déploie une analyse sur les premières périodes de votre travail. Et je me demandais, quand on vous appelle à intervenir suite à la publication de ce livre dans tous ces pays, sur quelle période on vous fait intervenir? Et de quelle période de votre travail on vous demande de discuter, en fait? Ma question n'était pas claire. In 2011, the Getty Museum in Los Angeles launched an initiative called Pacific Standard Time. En 2011, le Getty Museum à Los Angeles a lancé une initiative qui s'appelait Pacific Standard Time. C'était une exposition. Which documented and celebrated Southern California art from 1960 to 1980. When I was practicing as a young woman artist in Southern California. L'exposition était centrée sur la Californie du Sud entre les années 60 et 80, donc c'était précisément l'époque où elle était active en tant qu'artiste à Los Angeles. At that time, my early work had been erased, which is something that happens to women's work. À cette époque-là, son travail de début de carrière avait été complètement effacé, ce qui est une chose qui arrive très couramment aux femmes artistes. An example of that is that when Donald turned 70, 2.5 years ago, we celebrated his birthday in Paris. Quand son mari Donald a célébré ses 70 ans il y a 2 ans et demi à Paris, where there was the first retrospective of Elizabeth Vigée Le Brun in France, the first one after 200 years. How many people know who Elizabeth Vigée Le Brun was? Elizabeth Vigée Le Brun was an 18th century court painter who was wildly successful and produced more work than any woman artist before her. Donc, à cette occasion, quand ils étaient à Paris il y a 2 ans, il y a eu la première rétrospective de Elisabeth Vigée Le Brun, qui est une très grande artiste du XVIIIe siècle, qui a produit à son époque beaucoup plus d'œuvres qu'aucune femme avant elle. C'était la première rétrospective en France. Yeah, 200 years later, her work had not even been cataloged. Mais 200 ans plus tard, son travail n'avait même pas été documenté, il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait rien. And it took over 200 years for the
first retrospective in France. Et donc il a fallu 200 ans pour qu'il y ait enfin une rétrospective en France. I know a lot about what has happened to women artists before me. I study what I learned was a history of erasure. We're all taught that when you die, your work becomes better known, but that is only true for men. For women, it's the opposite. Even when you're well known in your lifetime, your work is often erased after you die. Donc, elle en connaît un rayon sur le processus d'effacement des femmes artistes, puisque en fait, la plupart du temps, pour les artistes, quand après leur mort, ils sont davantage connus. Mais ça, ce n'est vrai que pour les hommes, parce que pour les femmes, quand elles meurent, elles sont complètement effacées de la circulation. So that's what had happened to my early work in Southern California, and it was only with the Getty shows that that decade of my work began to be exhibited. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et pour mon travail au début de ma carrière, qui avait été effacé et qui est revenu à la surface grâce à l'exposition du Getty Pacific Standard Time. And that began an avalanche. Et ensuite ça a été ça a initié une avalanche en fait. Of discovery of the different decades of my career. Donc de toutes les décennies de sa carrière. I used to say, I hope I'll live long enough to see the day when the rest of my work will emerge from the shadow of the dinner party. Donc il y a une chose qu'elle aime bien dire, c'est qu'elle voudrait vivre assez longtemps. Elle a toujours dit j'aimerais vivre assez longtemps pour voir le reste de mon travail émerger de l'ombre de dinner party. Finally, that's beginning to happen. But I was interviewed today by a wonderful journalist from Le Monde who was familiar with my work. And she asked me about a project Donald and I did that took us 8 years called the Holocaust Project. Donc ça commence enfin à arriver, mais pas plus tard que ce matin, elle a été interviewée par une journaliste du Monde qui connaissait pourtant son travail et elle lui a demandé des précisions sur son travail qu'elle a fait avec son mari Donald, qui s'appelle The Holocaust Project, qui est après So, in December, there's going to be a big exhibition, a big survey exhibition in Miami, with Miami Basel, surveying the first 4 decades of my career. It stops before the Holocaust Project. Donc, en décembre, il va y avoir une exposition au musée de Miami. Pour sur 4 décennies, mais qui s'arrête avant le Holocaust Project. So now I say, okay, 4 decades have emerged. Only 20 more to go. Will I live long enough to see that? Donc elle dit que maintenant, c'est déjà pas mal. Il y a 4 décennies qui sont venues à la lumière, mais est-ce qu'elle vivra assez longtemps pour voir les 2 autres décennies? There was in February there was a big huge magazine article about me and my work in the New York Times magazine and it said the art world has finally caught up with Judy Chicago and I'm like, yeah, but only the first 4 decades. Donc il y a eu un grand article sur elle dans le New York Times cette année. Et qui disait le monde de l'art a enfin rattrapé Judy Chicago, mais elle rajoute oui, mais pour les 4 premières décennies seulement. But what can I say? As long as there's life, there's hope. Uh-huh. Mais comme on dit, tant qu'elle a vie, il y a l'espoir. Il y a une autre question, Sophie, pour répondre à ta question qui est souvent posée à Judy, c'est qu'elle a eu toute une série sur la maternité et souvent. La question qui est posée, c'est pour un peu continuer à ce que disait Judy, c'est mais comment tu peux travailler sur la maternité puisque tu n'as pas été mère? Et elle répond, mais est-ce que vous croyez
que tous les gens qui ont peint la crucifixion se sont fait crucifier. Voilà. C'est vraiment. Et ça, c'est la force. Voilà, c'est à chaque fois pouvoir avoir la bonne réponse. One more question, okay?